Le secteur du lac Saint-Pierre est parmi les secteurs du fleuve Saint-Laurent le plus ravagé avec l'arrivée de la voie de navigation. Dès le début, là, en 1840, il y a eu déjà un dragage par les sous-officiers. À ce temps-là, c'était à peine un petit canal là, très étroit. Aujourd'hui, ben, c'est 5 fois plus large, 3 fois plus profond. Il y a aussi un phénomène qui a été vraiment dramatique dans le secteur, c'est qu'on a vraiment changé le courant du fleuve Saint-Laurent. On a changé la voie naturelle du fleuve Saint-Laurent. Exactement ici, en arrière de moi, l'île de Grâce, qui était, si vous voulez, le point central de la déviation de la voie de navigation. Aujourd'hui, la voie de navigation passe plutôt sur la rive sud du fleuve, tandis qu'auparavant, elle passait plutôt sur la rive sud de l'île de Grâce. Ce qui a fait qu'on a même été obligé de couper des îles. L'île des Bacs s'est fait amputer là, de moitié. L'île du Moine, qui est un joyau, qui est le meilleur site ornithologique là, de tout l'est du Canada, eh bien, on l'a raccourci parce qu'elle empiétait là, dans la voie de navigation. Tous ces gestes-là, encore là, ont fait qu'on a construit un canal plus rectiligne, une autoroute en fait, et ce qui a fait augmenter là, de façon dramatique la force du courant. Dans le canal de l'île aux Corbeaux, où auparavant les ancêtres dans l'île de Tendre pouvaient remonter le courant à l'aviron, à la rame, aujourd'hui il est impensable de le faire, ça prend absolument une embarcation à moteur pour pouvoir remonter le courant. Tous ces gestes, tous ces aménagements ont fait en sorte là, d'augmenter de façon dramatique la force du courant. Et compte tenu aussi que le secteur, c'est l'endroit au fleuve Saint-Laurent où la plaine d'inondations sur le Saint-Laurent, les inondations sont les plus importantes. Aujourd'hui, on vit en période haute des périodes dramatiques de force d'hydraulicité là, extraordinaire. Le secteur de l'archipel, avec l'arrivée de la voie de navigation, a aussi subi une agression assez particulière, puisqu'il y a eu l'instauration de 5 barrages qui ont, à toute fin pratique, dévié le courant pour le centraliser à 2 ou 3 chenaux principaux pour forcer le fleuve à couler au bon endroit, puisque probablement que lui, dans ses gènes, le fleuve ne voulait pas couler où l'homme avait décidé qu'il coule. Et ces 5 barrages-là l'ont obligé à se diriger à l'endroit où on venait d'aménager la voie de navigation. Il y a aussi le phénomène de l'augmentation du gabarit des navires. Les navires sont presque 10 fois plus imposants qu'avant. Heureusement, ils sont conçus pour faire moins de vagues qu'avant, puisqu'ils sont plus, si vous voulez, hydrodynamiques plutôt. Donc, ça fait en sorte de protéger le fleuve et les rives, puisque eux, contrairement avant, font moins de vagues. Cependant, il y a encore beaucoup de navires qui sont âgés et qui font des vagues. Et on leur demande souvent de ralentir pour favoriser la protection de cet habitat. Ces barrages-là ont malheureusement un effet un peu pervers, parce que je vous disais tantôt qu'ils augmentaient le courant, c'est bien évident. Mais aussi, sont une embûche, un empêchement à la navigation de plaisance. Nous, on ne peut plus passer. Il faut, si on veut accéder au centre de l'archipel du lac Saint-Pierre, faire un détour carrément de 20 km pour pouvoir y accéder, puisque les barrages nous empêchent là, de passer. Ces barrages-là ont aussi un effet de déviation, donc le courant est perturbé par leur présence et fait en sorte qu'encore une fois, là, les îles qui sont à proximité de ces barrages-là sont plus en érosion ou en érosion plus sévère qu'ailleurs dans l'archipel. Et c'est le seul endroit dans le Saint-Laurent, ce truc de barrage-là, on ne retrouve pas ça à nul autre endroit. Pour vous donner une idée, 75% de 240 km de rive d'île dans l'archipel est en érosion. Ici, c'est la berge de l'île de Grâce, un endroit où l'érosion est la plus sévère là, dans l'archipel, compte tenu qu'elle est vraiment là, très près de la voie de navigation où le courant est
est assez rapide. On sent aussi qu'on dérive d'une façon accélérée. Tout le gazon, l'herbe verte qui est écroulée au pied du talus, bien, ça vient de tomber cette année. Donc, on peut penser là, que c'est près d'un mètre et demi, presque deux mètres, qui sont tombés uniquement cette année. On voit beaucoup de petits trous. Là. C'est des terriers, des rondelles des sables qui se servent de ce talus-là. Pour le moment, on ne les voit pas parce qu'ils sont sur les nids, là, sont en train de couver les œufs. Donc, on constate bien là, une érosion sévère. À quoi ça ressemble? Bien, c'est ça. C'est plus d'un mètre, deux mètres d'érosion à tous les ans. Et quand on pense que la voie de navigation a été instaurée dans les années 50, bien, ça fait 50 ans que ça dure. Le petit canal qu'on vient de traverser, c'est le chenal de la Sauvagesse. Ce chenal-là longe la Grande-Île, les Ronnières. C'est aussi un endroit très tôt le matin où on observe tortues, remusquées, énormément d'oiseaux. Vous avez entendu là, les chants d'oiseaux. Bien, il faut comprendre aussi que l'archipel du lac Saint-Pierre est l'endroit au Québec où vous allez réussir à observer la plus grande variété d'espèces d'oiseaux, c'est-à-dire 288, mais il faut comprendre qu'il faut être un ornithologue averti pour tout identifier ces espèces-là, mais un simple amateur se rend vite compte que ça déborde d'oiseaux à l'archipel du lac Saint-Pierre. La Grande-Île est un refuge faunique, c'est-à-dire qu'on a une interdiction d'y accéder pendant la reproduction des hérons. C'est l'héronnière la plus importante en Amérique du Nord. C'est 5000 individus qui se reproduisent depuis tout près de 20 ans. C'est aussi l'archipel le plus important du Saint-Laurent, 103 îles. C'est un delta, c'est-à-dire l'élargissement d'un cours d'eau unique au monde. On n'en connaît pas d'autres deltas de ce type-là. Souvent, on va observer des deltas à la sortie d'un fleuve ailleurs au monde. Mais nous, c'est vraiment un delta à l'intérieur d'un fleuve. Le lac Saint-Pierre, un écosystème fort particulier, très peu profond, à peine 2 mètres, 3 mètres de profondeur. Jacques Cartier s'en est rendu compte quand il a voulu le remonter. Il s'est planté souvent dans les dunes de sable. Aujourd'hui, bien, c'était dragué, donc il n'y a vraiment pas de problème là, pour la profondeur d'eau. Le lac Saint-Pierre, bien, c'est aussi 50 % de tous les milieux humides du fleuve Saint-Laurent. Et pourtant, lui, le lac Saint-Pierre, il a à peine 100 km carrés. Et le fleuve Saint-Laurent, lui, a 1800 km de long. Donc, encore là, une impressionnante caractéristique quand on pense que 50 % des milieux humides du fleuve Saint-Laurent se retrouvent dans la région du lac Saint-Pierre. Le lac Saint-Pierre aussi, c'est l'airain du fleuve Saint-Laurent. Cet écosystème-là, avec tous les herbiers, toutes les plantes aquatiques qu'on y retrouve, font en sorte de filtrer des tonnes et des tonnes quotidiennement de contaminants ou de sédiments quelconques. Et on peut vraiment le qualifier parce qu'on on peut le qualifier vraiment de rein du Saint-Laurent parce qu'on voit vraiment une différence entre la qualité de l'eau qui y rentre et la qualité de l'eau qui y ressort. Malheureusement, avec l'arrivée de la voie de navigation, on y a fait une percée dans les reins du Saint-Laurent, c'est-à-dire qu'il y a un grand canal où s'échappent des contaminants, mais le lac Saint-Pierre continue quand même à faire le travail là, de filtre géant là, pour le Saint-Laurent. Au lac Saint-Pierre, une pêche commerciale malheureusement agressante. Plus de 2000 tonnes de poissons prélevés, principalement de la perche chaude, mais aussi des sportifs qui en capturent 600 tonnes eux aussi. Donc, 3000 tonnes de poissons prélevés dans un milieu fragile. Mais c'est un patrimoine qu'il faudrait conserver parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le Saint-Laurent où on peut encore voir cette belle tradition de pêche, autant sportive que commerciale. Donc, de là, comment on fait? Comment on va trouver une solution? Possiblement, avec toute l'interrogation de l'obtention de titre de réserve de biosphère, on va réussir peut-être à trouver la solution, c'est-à-dire la cohabitation parfaite.
C'est bien sûr que tout cet aménagement pour la voie de navigation a fait en sorte de grandir le Québec et de le développer de façon remarquable. Cependant, il faut comprendre que ça a aussi des inconvénients. Donc, si on fait le poids ou la mesure ou l'équivalence des deux apports et inconvénients, je crois que ça n'a pas été une mauvaise chose d'aménager la voie de navigation. Cependant, aussitôt qu'on l'a aménagé dans les années 50, il y a des gestionnaires de l'État qui avaient décidé de faire une protection de berge parce qu'ils s'étaient rendus compte avec ces travaux-là que les rives étaient instables. Malheureusement, ces gestionnaires-là ont exclu tous les milieux insulaires du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Trois-Rivières. Donc, l'archipel du lac Saint-Pierre, qui est un patrimoine mondial qui va être reconnu très bientôt, n'a pas pu bénéficier de ce programme de protection-là que les rives du Saint-Laurent, nord et sud, ont bénéficié. Donc, il faudrait, je pense, corriger l'erreur aujourd'hui et réinstaurer un programme de protection des rives de toutes les îles du Saint-Laurent, parce que Contrecoeur ont le même problème, Boucherville et l'archipel du lac Saint-Pierre. Donc, l'erreur qu'on a faite dans les années 50, il faudrait la corriger en réinstaurant un programme de protection, compte tenu aussi qu'aujourd'hui, on connaît la valeur écologique, la valeur patrimoniale de ces îles-là.